Écoutez, écoutez, nous te remercions Seigneur, octroie-nous une double portion du Saint-Esprit des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages de trois anges. Nous t'en prions ici au nom de Jésus, Amen. Les pèlerins du latin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Du latin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les pèlerins, on considère ça comme l'histoire, ok? Réditez-moi l'histoire. Pérégrini, le viol de Pérégrinus. Les pèlerins, réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire, car je suis ignorant, j'ai besoin qu'on m'instruise, hein, comme un petit enfant. Parlez-moi de l'histoire, parlez-moi de l'esclavage, afin que je puisse considérer les différentes formes d'esclavagisme qu'on a aujourd'hui à l'intérieur de l'Église. Parlez-moi de l'esclavage, j'ai besoin qu'on m'instruise. Réditez-moi l'histoire, c'est ce que je fais. Parlez-moi pourquoi les docteurs d'Israël, les ministres, oui, ne veulent pas parler pourquoi depuis 1863 qu'on n'a pas un noir comme président de la conférence générale. Réditez-moi de l'histoire, pourquoi on a oublié ces journées toutes, l'ami personnel de Madame White, afro-américaine, parce qu'elle est noire, prédicatrice, millérite aussi, millérisme aussi, abolitionniste, prêcheur aussi, mais on l'a écarté dans la généalogie. Mais pourquoi on a fait ça, hein? C'est pour arriver aujourd'hui. On parle aujourd'hui de pape noir. C'est ce qu'on parle. Est-ce qu'il y aura un Africain noir comme papa? C'est ce qu'on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi nous, l'Église du reste, il y a tant, une foule de docteurs, des Nicodèmes, vous êtes le docteur en Israël, vous ne savez pas ça, ce que signifie naître de nouveau. Vous êtes le docteur en Israël, vous ne savez pas comment. Vous savez, ou bien vous ne voulez pas expliquer pourquoi, à travers l'histoire des Noirs, pendant le mois de février, l'histoire des Noirs, etc., pendant que nous aurons Journée de la femme, on a oublié Harriet Tubman, grande personnalité, qu'on a consacré Harriet Tubman Day aux États-Unis le 10 mars depuis 1990, hein, qu'on a fait une personnalité, qu'on a même fait des projets pour qu'elle apparaisse dans des $20 États-Unis, écartée par raciste Donald Trump, mais reprendre aujourd'hui avec le successeur de Donald Trump en parlant de Joe Biden, afin que Harriet Tubman puisse apparaître dans les $20 aujourd'hui. Mais pourquoi on a oublié ces journées tout? Isabella Bofrim, Isabella Van Wegen, trois noms à cause des différentes propriétés. Bref, réditez-moi l'histoire. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons considérer. Les pèlerins, de latin peregrinusme ou peregrini, c'est pluriel en ous, ous, oum, différents accusatifs, nominatifs, nominatifs, accusatifs, et blatifs, génitifs. Maintenant, peregrini, c'est pluriel, peregrinus, masculin. Signifiant simplement à l'origine des étrangers. Les pérégrinus, pérégrini ou pérégrine en français, les pérégrines en français, pérégrins en français, pérégrini, pluriel de latin génitif, pérégrinus, eh bien,
Les pérégrini ou pérégrinus ou pérégrins, ce sont des étrangers dans la société romaine. Des étrangers, des nomades, habités dans d'autres provinces conquises par Rome, par l'expansionnisme romain, eh bien, des pérégrins, ce sont des étrangers établis dans des provinces romaines, mais qui ne sont pas des Romains, qui ne sont pas des citoyens romains, qui n'étaient pas des citoyens romains, en d'autres termes. Des pérégrins étaient des étrangers. Ils n'avaient pas la possibilité de marier à une femme romaine, non. Tout simplement à une femme de la même société encore, même rang que lui. Pérégrin, pérégrin ou pérégrine. Les pérégrins, ce sont des étrangers habités dans d'autres provinces romaines conquis par la Rome, maintenant des commerçants qui ne jouissaient pas de même statut juridique avec les Romains, car les pérégrins jouissaient d'un statut juridique civil et pénal. Ils payaient beaucoup plus d'impôts que les citoyens romains, des commerçants. Ils intégraient l'armée, mais ne faisaient pas partie étant légionnaire. Il n'est pas capable de faire légionnaire. Ils intégraient l'armée, tout simplement. Il n'est pas capable de faire partie légionnaire là. Et après 25 ans, ils finissent passer au service de l'armée là. Il est capable de servir dans l'armée comme il est pas capable de faire partie des troupes auxiliaires là. Il est capable de faire partie des troupes auxiliaires là dans l'armée, mais non en tant que légionnaire pérégrin. Il fait partie des troupes dans l'armée romaine, mais il est pas capable d'entrer dans légion, sortir dans légion centenier romain, Jésus-Christ t'a pas jeune, etc. Il est pas capable de faire partie centenier romain légion côté à la tête, etc. Mais c'est une troupe auxiliaire là, servir de l'eau, on prend bail manger, etc. Penser blessure. C'est ça qu'on fait. Il n'est pas capable de marier à une femme romaine. Et après 25 ans, il fait la servir la mère, laisse ça, il est capable de bali nationalité romaine. Après 25 ans, pérégrin est capable de joindre nationalité romaine. Ou encore, s'il voulait, il est capable d'acheter. Citoyen romain. Ouais, non? Acheter titre citoyen romain, droit romain. Les pérégrins, des étrangers qui viennent habiter dans la colonie côté Rome, fin conquio, ils étaient là. Ils pas capable de marier à une femme romaine. Ils sont capable de marier à une femme dans même rang passé, pérégrin pareil. Ils sont pas capable d'entrer comme officier sous-officier dans l'armée, yo là comme des troupes auxiliaires, si on moun blessé, on prend intendant, cuisinier, on prend infirmier, etc. Ils pas capable on prend capitaine légionnaire, etc. Après 25 ans, yo fait si a servi l'armée, les ça yo capable ba yo titre. Yo capable ba yo titre citoyen romain ou bien acheter parce que yo c'est commerçant. Yo pas gagne même droit avec Romain, statut juridique, yo gon statut juridique civil et pénal, yo passible, puisque c'est commerçant, yo gen droit al devant tribunal, son moun dwe, yo fè valer droit, yo al devant les prêteurs. En d'autres termes, les pérégrins, yo c'est étranger dans société romaine. Droit romain dans l'Antiquité qu'on fait en première année de sciences juridiques parce que régime c'est romano
germaniques comme Comanlo, ou encore on considère aujourd'hui des canons, des courants comme des sources juridiques par les imams, par les muftis, par les oulémas, etc., etc. Parce que pour être imam ou un grand mufti, il faut savoir la connaissance générale, la connaissance juridique, les sens sociaux, l'interprétation des courants et votre position par rapport à la société, capable d'analyser, bonne référence, grande culture, etc. Ce n'est pas comme pasteur. Aujourd'hui, on dormit, demain, c'est vos pasteurs. Ou bien, aujourd'hui, on dormit, demain, c'est vos consacrés, madame, ou les capables pasteurs. C'est en Occident, ou qu'a fait n'importe bagaille. Avant, on parlait de Occident, mais en Orient, ou pas capable de faire n'importe bagaille. Ça, c'était une parenthèse. Et en 212, l'empereur romain, qui pral relé, empereur romain 211-217, monsieur pral donné l'édit de Caracalla, C-A-R-A-C-A-D-L-A, Caracalla, mais empereur ça pral fait l'édit de la citoyenneté, encore l'édit de Caracalla, tout monde qui dans société a qui né qui libre li pral faire yo tout vin devenir citoyen romain, déporté affranchi, déporté pérégrin, depuis ou libre li pral ba ou nationalité citoyen romain, mais son empereur romain que yo pral rele constitution Antonine, la constitution Antonine. Jusqu'à présent, il reste à Rome dans le musée de l'empereur 211 en 217 après Jésus-Christ. L'an 211-217 après Jésus-Christ, M. Pral prononce l'édit de Caracalla, l'édit de Caracalla en 212, côté le Pral accordé la nationalité romaine ou encore la comme citoyen romain à tout le monde qui était libre. Dans le pays, soit les papes capables d'accorder avec les prêteurs, ils sont déjà romains, avec les prébéiens, ils sont déjà romains, prêteurs, romains magistrats, les prébéiens, romains partis pauvres, et les praticiens, citoyens romains de la haute société, bourgeoisie, aristocratie, oligarque, et bien, ipso facto, ça devient accordé aux pérégrins libres qui sont des commerçants et étrangers et ensuite avec des affranchis, l'autre groupe que nous allons considérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Gardez dans l'église ou à pour soupaoué publien, soupaoué prêteur, soupaoué pérégrin sur des nouvelles formes. Néo-esclavagisme. C'est pourquoi, depuis 1863, un noir n'est jamais considéré comme ça. Ils sont plutôt. Éditez-moi l'histoire. Regardez Galon Diop et Albo Bag, les papes au Vatican. Le pape bien doit faire ça. C'est parce qu'il est considéré comme un néo-esclave, les grands docteurs. Dans Marc 15, verset 21, Simon forçait Simon de Cyrène à porter une croix. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, d'autres esclaves que nous allons considérer à Rome, nous sortent depuis l'Ancien Testament, l'aspect juridique, historique, et nous allons considérer ensemble l'aspect biblique. C'est ce que nous allons faire. Merci.